Bé, bona nit o bon vespre. Moltes gràcies a tots i a totes per ser aquí. Avui tenim l'oportunitat de conversar i parlar i escoltar Andrei Makin, un escriptor rus d'expressió francesa, o potser el més rus dels escriptors francesos. És inevitable fer aquesta petita ironia perquè tota la seva obra, tant la novel·lística com l'assagística, està travessada per aquesta doble identitat, per la identitat de naixement i per la identitat d'adopció. La seva vida és gairebé una vida de novel·la. Ell va néixer l'any 1957 a Sibèria, va quedar orfe molt aviat, va ser educat per la seva àvia, que era d'origen francès, es deia Lemonnier, Charlotte Lemonnier, i després d'uns anys d'incerteses, d'estudis, de treballs diversos, va emigrar a França als anys 80, a París, va treballar en diferents espais, va intentar sobreviure en el París dels anys 80, va començar a escriure en francès, però en un primer moment utilitzava l'argúcia de presentar-se com a traductor al francès d'unes obres escrites originàriament en rus i va començar a publicar alguns llibres fins que el 1995, amb la novel·la autobiogràfica Le Testament Français, va guanyar el Premi Goncourt. Un Premi Goncourt que va ser realment, ara ho comentàvem, una explosió a França. Va ser un dels Goncourt més celebrats, per dir-ho així. També va guanyar el Premi Mèdicis i el Mèdicis dels estudiants de secundària, que té molt de prestigi. I a partir del Testament Francès, André Makin comença tota una carrera com a novel·lista, com a assagista, en llengua francesa. De manera que aquest nen de Sibèria acaba entrant a l'Acadèmia Francesa, de la qual és ara, en aquests moments, un dels membres més coneguts i més respectats. Merci beaucoup, André, d'être venu. Moltes gràcies. Juste une question, oui. Xavier. Vous ne souffrez pas de ces lumières, oui. Elles sont violentes. Fa una calor espantosa. On est en Catalogne, c'est vrai, c'est le soleil, mais c'est trop puissant pour mes pauvres yeux. Si dans la régie on pouvait baisser la lumière, ça serait parfait. Oui. Si, pot ser. Parce que je ne vous vois pas, vous voyez, je suis aveuglé. J'aimerais bien voir les visages et la réaction des gens. Je ne vois personne. Est-ce possible? No és possible? C'est violent, on va pleurer. Oui, on va pleurer un moment. C'est très chaud, oui. Formidable. Voilà, je vous vois maintenant. Bonjour. Molt bé, si no, potser sí que és millor, eh? En tot cas, aquest petit recorregut biogràfic em sembla que és inevitable per entendre que ens trobem davant d'un escriptor europeu, un escriptor d'origen rus, però que ha adoptat la llengua francesa, i d'un escriptor que, jo li comentava abans d'entrar, em fa l'efecte que és algú que fa un tipus de literatura que pesa, que té pes, que al llarg dels anys ha anat guanyant pes. I això potser és un bon indici que les seves obres realment estan escrites amb una voluntat de perdurar més enllà del moment en què van ser escrites. A mi m'agradaria començar reflexionant sobre una escena, l'escena que obre la seva novel·la més coneguda, que és el Testament Francès. I és una escena que comença amb una imatge i amb una paraula. La imatge és la d'una fotografia
d'una fotografia familiar on apareixen un grup de dones de la seva família fotografiades posant una expressió, fent una expressió amb la boca perquè els fan dir la paraula petit pom. És això, sa, no? Petit pom. I aquesta paraula, petit pom, que és la paraula que amb la qual es disposen a ser fotografiades, aquesta paraula la diu l'àvia. I l'àvia, l'àvia francòfona, l'àvia d'origen francès, té una importància cabdal en aquest llibre. I per això ell, de manera una mica irònica, diu que el francès és la seva langue grande maternelle. No és la seva llengua materna, sinó la llengua de l'àvia. Potser li podríem començar preguntant, si us sembla, una mica sobre aquesta importància de la paraula. Potser per això hi ha una cita de Proust, hi ha una citació de Proust en el vostre llibre, sobre l'importància de mots, de verbalitzar les mots. Doncs potser jo el que li podria preguntar és, per començar, la importància d'aquesta paraula en francès a la seva família, l'importància de ce petit mot dans votre famille. Le petit pomme. Le petit pomme. Oui, mais je vais vous répondre à cette question, mais vous avez parlé de cette grand-mère qui a traversé donc la France, a traversé tous les pays, elle est allée en Russie. Sa famille est allée en Russie. Et ça s'est passé avant la révolution russe, c'est-à-dire au début du siècle. Nous parlons aujourd'hui de l'ouverture de l'Europe, de l'ouverture du monde. Mais imaginez qu'à cette époque-là, une Française pouvait prendre un train sans tampon, sans visa, et aller non seulement en Saint-Pétersbourg, mais en Sibérie. Nous avons parlé pendant le déjeuner avec le commissaire de votre festival, monsieur le professeur, qui m'a dit « Ah, mais en 1977, je vous vieillis un peu, et légèrement, 1977, donc après la révolution russe quand même, 70, voilà, on est là, 70, 1970. Monsieur le professeur est allé d'Espagne, de Barcelone, à Kaboul. Et donc, imaginez aujourd'hui ce voyage. Vous allez de Barcelone à Kaboul. Fini. Vous ne revenez pas. Vous pouvez y aller, mais je ne sais pas où vous allez tomber, en Syrie ou en Irak ou en Iran. Donc, l'Europe qu'on nous vend aujourd'hui en disant « oui, c'est tellement ouvert, c'est tellement démocratique, etc. », ce n'est pas si démocratique que ça. Et donc, cette grand-mère arrive en Russie. Ses parents trouvent du travail. Son père est un médecin. Et ce qui les étonne, c'est que dans cette Sibérie si lointaine, les gens s'expriment en français très simplement. Ils vont dans une bibliothèque, il y a plein de livres en français. Et cette petite histoire, pourquoi elle a frappé tellement mon enfance, c'est que nous vivions encore dans un régime presque stalinien. Et tout à coup, ce petit mot, cette petite pomme, elle changeait le visage des hommes et des femmes. Et c'était pour moi quelque chose de symbolique. Il suffit d'un seul mot pour s'expatrier, pour être ailleurs. Però el paper de l'àvia en la introducció del món francès en el petit Andrei Makin és fonamental, és importantíssima. La prova és que acaba entrant a l'Acadèmia Francesa. Però l'àvia li parla de França com d'un món fabulós. La France com un món fabuleux. I fins i tot ell explica que la França enyorada de l'àvia era com una Atlàntida brumosa que retornava a la superfície cada vegada que apareixia la paraula petit pom. Aquesta imatge de l'Atlàntida brumeuse. Oui. Il y a deux sens dans cette image. Le sens temporel, bien sûr, parce que la France d'avant la Révolution,
russe, n'est-ce pas, la France du début du siècle, de la belle époque, ce n'est pas la France d'aujourd'hui. Ça, c'est évident, c'est compréhensible. Mais il y a aussi pour les Russes la notion du rideau de fer. Le rideau de fer est tombé et tout ce qui se situait en France ou en Occident, je parlais un peu dans mon discours de l'Académie, c'était quelque chose, c'était plus loin que la Lune. À la limite, grâce à Gagarine, grâce à l'espace, nous pouvions imaginer qu'un soviétique part sur la Lune, ou part sur l'orbite. Mais partir à l'étranger, c'était inconcevable. Mm-hmm. Et les seuls visiteurs, c'était souvent des livres. Mm-hmm. C'est des livres qui pénétraient, qui perçaient le rideau de fer et qui se retrouvaient à Moscou, à Leningrad, et qu'on pouvait lire. Donc finalement, là, nos livres, qui paraissent une chose si banale, il y en a plein ici, n'est-ce pas, c'était comme des petits soldats, vous voyez, qui perçaient ce mur et qui se retrouvaient entre nos mains. L'Atlantide, oui, un pays perdu, parce qu'on a perdu beaucoup depuis, on a perdu déjà l'attitude et l'amour des Français pour le livre. Ça se perd. Voyez-vous, nous parlions de la Catalogne d'autrefois. Tout le monde parlait français, ça paraissait évident. Maintenant, Madame la bibliothécaire qui nous accompagnait m'a dit, mais vous savez, les jeunes catalans, ils vont à Perpignan, mais il parle en anglais. Ce qui paraît absolument absurde, c'est surréaliste. Mais aller voir ses petits frères catalans de l'autre côté de la frontière, en France, et parler en américain. Et pourtant, c'est de plus en plus la réalité. La même chose que dans les pays scandinaves, vous savez que certains couples parlent, couples norvégiens ou suédois, ils parlent en anglais entre eux. Ils travaillent dans la langue anglaise. Donc c'est presque plus simple. Et je me demande, mais attendez, il y a quand même des mots pour dire « je t'aime » dans leur langue maternelle, ou « on va faire l'amour », ou « comme tu es beau », pour dire quand même tout cela en suédois, en norvégien. Non, les gens traduisent de façon presque forcée tout en américain. Però aquí la pregunta inevitable és en quin moment aquest adolescent rus educat familiarment per aquesta àvia gairebé prustiana en la llengua francesa, en quin moment l'escriptor es planteja la qüestió de la llengua literària, de la llengua d'escriptura? No? En quel moment vous commencez a penser que vous allez devenir un écrivain français, en français? Oui, la question de choisir cette vocation se pose toujours. Pour moi, c'était lié, non pas seulement avec le français, mais avec cette question, hélas, qu'on ne peut pas éviter, c'est la mort des proches. Quand un proche meurt, on se dit, mais est-ce qu'il y a un moyen de ne pas le laisser mourir? Par quelle astuce? Vous voyez, c'est Jean Cocteau qui disait, écrire, c'est tuer la mort. Bon, ça peut paraître un aphorisme à la française, très léger, mais c'est très juste. Comment, par le choix des mots, comme la petite Madeleine Proustienne que vous connaissez par cœur, n'est-ce pas, comment, par ce choix d'un souvenir, on peut retenir une parcelle de nous-mêmes, de se dire, ce visage, je l'ai aimé pendant de si longues années, j'ai aimé cette femme, elle n'est plus là, comment je peux retenir son existence parmi nous? La vocation d'un écrivain, à mon avis, c'est cela. Et cette vocation, en quel moment es tradueix en una vocació en llengua francesa, encara a Rússia o ja en el moment en què es trepitja París? C'était lié tout simplement à l'existence de mes lecteurs français. Dans quelle langue je m'adresserais aux Français? La question ne se posait pas. Ou bien j'aurais pu écrire en russe, mais il y a toujours un traducteur, traditore, traduttore, comme disent les Italiens. Oui. Est-ce qu'ils vont bien mieux traduire? La question de la traduction, elle est cruciale pour un écrivain. Un écrivain français m'a dit, mais vous savez, un traducteur peut vous tuer et au contraire peut faire de vous un très grand écrivain. Et on a eu des exemples, des écrivains qu'on ne connaissait pas du tout, et tout à coup, un traducteur génial faisait une très belle traduction et on commençait à en parler. Donc, pour moi, oui, j'appréhendais peut-être, j'avais peur de ce passage supplémentaire. Je me suis dit, puisque j'ai la possibilité de m'exprimer dans les deux langues, pourquoi ne pas écrire directement en français?
les relacions entre Rússia i Catalunya i Espanya no són tan intenses com les relacions entre França i Rússia. Abans comentàvem que després de la Revolució Francesa ja hi va haver una emigració política de francesos cap a Rússia i després de la Revolució Soviètica hi va haver també una emigració de russos blancs cap a França. Potser seria interessant sintetitzar una mica aquests contactes entre França i Rússia que potser han permès aquesta facilitat dels escriptors russos per escriure en francès. L'exemple de Nabokov doncs és gairebé obligat i potser és el més famós entre nosaltres. No? Je ne sais pas si vous pouvez synthétiser un peu cette relation entre la France et la Russie qui permet que les écrivains français écrivent en les écrivains russes écrivent en français avec cette naturalité. Oui, mais cela est arrivé bien avant Makine et Nabokov, vous voyez, bien avant nous. Cela est arrivé déjà avec Catherine II, la grande Catherine. Elle était déjà francophile, enfin, elle était germanophone et francophile et francophone. Elle parlait un français absolument impeccable. Et cela est devenu peu à peu la langue de l'élite. La langue de l'élite, à ce point que les premiers tout petits poèmes que Pouchkine a écrit, notre plus grand écrivain russe, il a écrit en français, on oublie souvent cela. Vous savez, par curiosité, si vous regardez les œuvres complètes de Pouchkine, prenez au moins 10 volumes, les œuvres complètes, vous avez un volume avec la correspondance, vous ouvrez, moi je l'ai fait, j'avais peut-être 12 ans, et qu'est-ce que je vois? Je vois mais la moitié de lettres sont rédigées en français, et dans un excellent français, un français qu'on pourrait presque étudier dans des lycées français, à l'école. C'est vraiment le français grand siècle. Et Pouchkine s'exprimait dans ce français si élégamment et si facilement qu'un jour, il a écrit à son grand ami, le philosophe russe Tchadaev, en inscrivant cette phrase qui nous fait bondir, « Je vais t'écrire dans la langue de l'Europe », mais il ne disait pas en français. La langue de l'Europe, c'était le français. Pour lui, c'était évident. Donc là, l'élite était complètement francophile, francophone, complètement gallicisée, et ça pénétrait aussi dans le peuple. Balzac, vers 1849, 48, 49, il est venu à Kiev qui était la Russie, l'Empire russe à l'époque, et il se disait, mais attendez, les marchands, même les simples marchands qui me lisent, ils me lisent en français. Pourquoi ? Parce qu'au lycée, on apprenait cette langue. Donc, si vous voulez, l'exemple de Makine n'a rien d'extraordinaire. Nabokov, c'est un peu autre chose. Il parlait, à mon avis, de façon presque égale, l'allemand, le français et l'anglais. Et je ne sais pas dans quel roman il a écrit pratiquement en trois langues, en changeant tout le temps, mais pour s'amuser. Pour s'amuser. Donc, c'était une curiosité linguistique pour lui. Mais le français se ratatine maintenant, comme partout. Il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas assez de désir chez nos gouvernants. Tous nos gouvernants, en France en tout cas, ils passent par l'école de ces fameux, j'emploie un mot anglais, young leaders, ces jeunes leaders. Et les Américains sont très forts, ils les formatent, ils font de bons petits Américains, plus que les Américains d'ailleurs, parce que ces Américains-là, ils n'ont plus aucun sens critique vis-à-vis de l'Amérique. Heureusement, Trump est arrivé, maintenant on peut critiquer l'Amérique, heureusement, parce que sinon c'était à genoux, on était comme devant un dieu. Et donc ça, vous voyez, l'élite très américanophile, très américanophone, fait que pour les simples mortels, « Ah, mais il parle anglais, je dois parler anglais absolument pour réussir ». Pourquoi ne pas parler dans ce cas-là le catalan ? Et pourquoi ne pas développer les langues beaucoup plus modestes ? En tout cas, la France, ce n'était pas non plus un milliard d'habitants comme en Chine. Et avec quelques millions d'habitants, ils ont imposé leur langue dans cet immense empire russe. Però en aquesta decisió de deixar el rus i adoptar el francès, vaig llegir una entrevista amb ell en què potser en una de les poques vegades en què reconeixia que potser
l'ombra de Tolstoi, l'ombra de Txékhov, l'ombra de Pushkin, l'haurien perseguit en el cas d'escriure en rus. No? Es que n'hi ha pas un peu cette ombre des grands auteurs russes oui, qui vous poursuivraient? Mais en France aussi, il y a des grands auteurs. Proust et quelque part Balzac, donc on se retrouve quand même. Vous voyez, il y a deux pays dans ce monde, et là je ne veux pas être nationaliste du tout. Quand je vous parle, je ne sais pas, de l'Espagne, quel est le plus grand écrivain espagnol? La réponse? Cervantes, oui. Lope de Vega, ça pourrait, mais quand même, c'est Cervantes. Si je vous parle de l'Allemagne, c'est Goethe, n'est-ce pas? À l'Angleterre, Shakespeare, oui, c'est évident. Si vous parlez des Français, Balzac? Ah non, 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 Proust. Ah non, non, Molière. Ah mais non, Voltaire. Et là, les Russes? Ah mais Tolstoï. Ah mais non, Tolstoï, Pushkin. Ah non, non, c'est pas Pushkin du tout, c'est Dostoïevski, oui. Et ça peut se discuter, ça peut se plaider. Ce n'est pas du tout une discussion, comment vous dire, artificielle. On ne peut pas comparer Pushkin et Tolstoï. Ce sont deux monuments, comme Balzac et, je ne sais pas, Proust. Oui. Mm-hmm. Mm. Donc, le club est très fermé, mais rejoignez-nous. Ah bon? En el discurs d'entrada a l'Acadèmia Francesa, Andrei Makin, que substituïa una novel·lista algeriana, Adjvar, no? Reflexiona sobre el caràcter integrador de la llengua francesa. Diu, aquesta llengua francesa apresa, manejada amb una habilitat innegable i estudiada fins a les majors fineses estilístiques. I es pregunta com es pot utilitzar una llengua quan aquesta llengua no l'has mamat del bressol, diu ell. Diu, de què es tracta? Diu, d'una conquesta, d'una apropiació, d'una vertiginosa obertura intel·lectual o d'un formidable instrument d'escriptura. Vous formulez ces trois questions. Je commence à comprendre le catalan. Bah, très bien. Encore deux jours, je pense, on parlerait facilement. C'est très facile. C'est incroyable, incroyable. C'est facile. Pour vous, c'est très facile parce que vous parlez beaucoup de langues aussi. Donc, qu'est-ce la langue française pour un écrivain russe qui a adopté cette langue comme... Oui. Pour cette dame algérienne, cette académicienne algérienne, la question se posait un peu différemment. Parce qu'il y a eu la guerre d'Algérie. Et la guerre d'Algérie, c'est une telle blessure. C'est quand même 1 million de morts. 1 million de morts, plus le problème des harkis. C'est-à-dire, c'est les Algériens qui étaient fidèles à la France. Et c'était des massacres terribles. Et donc, je peux la comprendre, Assia Djebar, quand elle dit « Ah, le français, pour moi, c'est une langue marâtre. » Marâtre. Marâtre, je ne sais pas comment on peut traduire. Madrastre. Marâtre. C'est effrayant de dire ça. Et... Oui, on a presque ce réflexe-là dans ce cas-là, mais attendez, Assia, si c'est pour vous, c'est tellement douloureux, écrivez en arabe, c'est une langue très riche, avec une littérature fabuleuse, écrivez et soyez une bonne écrivain, un bon romancière arabe. Et tout le dilemme est là. Pourquoi? Parce que le français, c'est une ouverture. Elle comprend très bien Assia Djebar. Et elle a dit même, je la cite dans le discours, elle a dit, dès que j'ai commencé à écrire en français, mon corps s'est libéré. Je ne peux, vous voyez, sans doute, une femme pourrait mieux me comprendre. Mais imaginez, une femme orientale, surtout c'était les années 40, les années 50, donc c'était des femmes voilées, encore, c'était assez fermé, cette société. Et tout à coup, elle commence à lire Balzac, Proust, Maupassant, et puis elle commence à écrire. Et elle dit, mon corps s'est libéré. Donc pour elle, voyez-vous, c'est presque plus qu'intellectuel, c'est même physique. Même physiquement, il change. J'ai parlé tout à l'heure avec une dame, avec une catalane, qui parlait un russe formidable. Un russe formidable. Et ce qui m'a étonné, c'est que son visage a changé quand elle a parlé russe. Et je lui dis même, tout bêtement, j'ai dit, mais vous savez, si vous étiez à Moscou, je vous aurais pris pour une russe. Mais le problème, c'est même pas le physique. C'est-à-dire, en parlant une langue étrangère, la mimique devient différente, la gestuelle devient différente et on change son identité. D'où l'intérêt de parler plusieurs langues. Mais vous,
Vous êtes dans un pays béni parce que vous êtes déjà bilingue au départ. C'est rare, mais c'est votre richesse absolument incroyable. Par tant... Elle a un petit doute. Hein, elle a un petit doute. No, estic d'acord. Quantes més llengües, millor. En un espai de llibertat. Penso que és inevitable perquè... No només perquè aquí ens interessen les qüestions relacionades amb la llengua materna i amb l'adquisició de les llengües, de més d'una llengua, sinó perquè realment, encara que no sigui el primer cas ni molt menys, el cas d'Andrei Makin és molt interessant des del punt de vista lingüístic. El que passa és que per entendre'l bé com a escriptor, perquè crec que és un escriptor, com he dit abans, de pes, és a dir, ara no vull generalitzar i no vull dir que estem en una època de lleugereses, però que potser sí que hi ha qui escriu amb una certa lleugeresa. Andrei Makin fa l'efecte d'escriure amb una voluntat de ferro. I té una... C'est compris? Je vais vous citer. Hein? C'est tellement beau. C'est plus beau qu'en français. Hein? C'est plus expressif. Merci. Però ell té una declaració que va fer fa uns anys en una entrevista molt interessant que li va fer una estudiosa que diu c'est une déclaration que vous avez faite la literatura pour moi était une sorte de sacerdoce. Diu, la literatura al principi, quan era jove, per mi era una mena de sacerdoci. S'entra en literatura com s'entra en una religió, sense cap connotació estètica o religiosa. Però hi ha un engagement total, un compromís total. És una manera de viure. Proust, encore, dice, lire, c'est s'absenter de la vie. Llegir és absentar-se de la vida. Un llibre és una altra manera de viure. A mi m'agradaria veure si ell ens podria explicar aquest concepte molt interessant d'entendre la literatura, el fet de ser escriptor, comme un sacerdoce. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez d'un sacerdoce sans connotation ascétique ou religieuse? Oui, il n'y a pas de religion dedans. Il y a chez les philosophes, chez Maître Eckhart, par exemple, c'est l'allemand, le philosophe allemand, cette notion de se débarrasser de tout ce qui n'est pas Dieu. Mais lui, c'était un religieux. Donc vivre en se débarrassant peu à peu, rejoindre Dieu, non pas dans la prière, non pas dans des crises de mysticisme, mais tout simplement écarter les choses qui ne sont pas Dieu. Mm-hmm. Peut-être chez un écrivain, ce mode de vie est assez semblable. S'écarter des choses périssables, des choses inutiles, des choses gorgées de politique, d'idéologie, des choses fausses qu'on nous impose tout le temps. Vous branchez la radio, vous entendez quand même 90%, ce sont des choses complètement fausses. Mm-hmm. Et le lendemain, ce serait autre chose, oui. C'est ou bien c'est la distraction, divertissement, ou bien des choses fausses. Et donc, en s'écartant de ces choses fausses, on arrive à une vérité. L'écrivain ne doit jamais dire « je cherche la vérité, voilà, je dis la vérité ». S'il pouvait seulement s'écarter des choses fausses pour dégager cette vérité, ça serait déjà pas mal. Pour moi, c'est cette recherche de la vérité humaine. Mm-hmm. Però utilitza la paraula engagement sense el sentit, entenc, que se li donava en els anys 60 d'engagement polític. C'est pas un engagement polític, no? Elle est antipolitique. Antipolitique. Oui, parce que quand vous dites politique, bien sûr, il faut une organisation de la cité. Chaque cité doit être organisée, n'est-ce pas? Depuis Platon, on sait ça. L'anarchie, c'est la pire des choses. Mais quand la politique devient une seule force, ça, c'est très dangereux. Parce que la politique, c'est la division. Vous voyez, il faut diviser. Pour régner, il faut diviser. Il faut créer plusieurs partis. Donc, chaque parti ne peut pas posséder la vérité. Donc, il faut s'écarter de ces choses-là. Il faut peut-être s'élever à un niveau différent et introduire la notion temporelle, penser à long terme. Nous vivons dans l'immédiateté, la production immédiate, le rendement immédiat. Regardez ce que nous avons fait avec la planète. C'est Gandhi qui disait « les Anglais ont détruit la moitié de la planète pour
être riche. Qu'est-ce que l'Inde va détruire pour être riche avec un milliard d'habitants? Et nous sommes dedans avec le réchauffement climatique, avec les guerres qui sont pratiquement permanentes et avec l'agressivité terrible qui règne aujourd'hui dans le monde. On dit souvent, oui, l'agressivité, mais c'est quelque part ailleurs. Comment quelque part ailleurs? 75 000 femmes violées en France chaque année. 75 000 femmes. Imaginez ça, ça paraît, non, c'est pas possible. 10% de femmes portent plainte. Les autres disent, non, c'est trop honteux, je ne vais rien dire. Donc, 230 femmes par jour sont violées, c'est-à-dire parfois assassinées, parfois battues. Et on dit, non, mais la France et la démocratie, mais attendez, allez parler de la démocratie à ces femmes-là. Nous avons évoqué l'Amérique. L'Amérique, quelle richesse. Mais c'est une image hollywoodienne. Vous allez chez les pauvres américains, 40 millions de pauvres, 48 millions pour être précis, 48 millions qui ne mangent pas leur faim, qui vivent avec l'aide de l'État. La vraie Amérique, c'est cela aussi. Et donc, vous voyez, cette violence, même dans les pays où la guerre ne sévit pas, où la guerre n'est pas déclenchée aujourd'hui, est terrible. Et ça, c'est un engagement. Dire cela, c'est déjà un engagement. Oui. De dire, écoutez, cette image hollywoodienne, je la déchire, regardez la vraie image de l'Occident. Sí. Per tant, el que és interessant aquí és aquest compromís, aquest engagement amb un mateix, amb l'escriptor, no? I amb els valors que defensa, no? I una de les crítiques que Andrei Makin sol fer en les entrevistes és aquesta que acaba també de denunciar-nos, una crítica a la velocitat, no? A la vitesse, no? Vous êtes très critique avec, contre la vitesse, no? I per tant, la seva literatura, que és una literatura que té a l'esquena tot aquest món que va deixar a Sibèria, amb aquesta família que li deixa una empremta tan important i a la qual retorna contínuament, és una literatura que les Americans parlen de slow cook literature, no? Una literatura que es va coent a foc lent, no? És a dir, una literatura que necessita un altre ritme, una altra velocitat, que és aquesta que finalment em sembla que dona el pes, no? De les seves paraules i dels seus llibres. Jo no sé si vos ets d'acord, tant set necessité de donner du temps à la littérature et à l'écriture, disons. Nous avons parlé de Simenon, que vous aimez beaucoup, de Georges Simenon. Et Georges Simenon, cet écrivain qui a écrit une centaine de livres, il a proposé ce pari à un journal. Il a dit, vous m'enfermez dans un cube de verre et en une journée et demie, c'est même pas deux jours, je vous écris un roman. Donc, pourquoi pas? Donc, il devait sans doute s'absenter de temps en temps pour des besoins naturels, puis être nourri, boire, et puis écrire en une journée et demie. Mais quel roman? On se le demande. Est-ce qu'en une journée et demie, on peut écrire un beau livre, un bon livre? Non, je ne crois pas. Ce qui manque aujourd'hui, peut-être aussi dans ces rythmes culturels, même, la mécanique économique a complètement phagocyté et détruit les rythmes littéraires. Tolstoï, vous voyez, il était dans sa maison de campagne avec une plume d'oie, comme Flaubert, et il écrivait. Il pouvait se donner, bien sûr, les écrivains modernes, je ne sais pas ce que pense madame l'écrivain basque, mais on n'écrit plus comme ça, avec une plume d'oie, dans sa maison de campagne. Peut-être que vous avez cette chance d'avoir une maison de campagne. Pas moi, j'écris dans mon petit appartement à Paris. Mais ce qui change aussi dans ce cas-là, c'est le prix que l'écrivain attache à la reconnaissance. Aujourd'hui, il faut être reconnu tout de suite. Si vous n'êtes pas reconnu tout de suite, monsieur l'éditeur, ici présent, de Barcelone, vous dit non, mais enfin, Makin, ce n'est pas intéressant, il ne se vend pas assez vite. Est-ce que Bulgakov se posait cette question quand il écrivait Maître et Marguerite? Ben, il savait très bien qu'il n'allait pas être publié. Il gardait ses pages dans son tiroir. Il a été publié, donc, la première édition, 64-65. Il est mort en 39. Donc, 40 ans d'attente.
est-ce que Maître Marguerite est devenu moins bon à lire à cause de ses 40 ans? Mais pas du tout. Pas du tout. Solzhenitsyn a eu une astuce. Astucia, c'est formidable. Il y a quand même des mots que je reconnais déjà. Solzhenitsyn avait cette astucia au goulag. Il n'y avait pas de papier. Il n'y avait pas de crayon. Il s'est dit, comment je vais retenir ce que j'écris? Et il écrivait une pièce de théâtre dans les années 40, au goulag. Il s'est dit, ben, je vais faire comme Corneille ou comme Racine, je vais rimer. Je vais rimer, parce que la rime, on ne l'oublie pas. Bien sûr, ce n'était pas de la grande poésie, c'était un procédé mnémotechnique. Juste comme ça, je vais peut-être me souvenir. Donc, il a rimé dans sa tête cette pièce de théâtre dans les années 40. Cette pièce de théâtre a été jouée après la Gorbatchev, après la Perestroïka, à la fin des années 80, c'est-à-dire 40 ans après. Et il a gardé cette pièce 40 ans. Mais voyez-vous, il n'était pas agité en disant « Ah, je n'ai pas de succès, je vais être jeté dehors par mon éditeur ». Non, il a attendu 40 ans. Avis aux éditeurs. Mais les éditeurs eux-mêmes, ils sont sous une telle pression, hélas, financière. Il faut les bénir, les éditeurs, vous imaginez? Parce que ce sont des acrobates entre la finance et l'esprit. Le pur esprit et la finance. C'est une schizophrénie permanente, n'est-ce pas? On le connaît. Ils sont tous un peu déchirés, clivés. Ils vont répondre après. Non ah, mais j'espère bien, j'espère. Andrei Makin ens ha dit que en aquesta mena d'ascesi, d'eliminar allò que és fals i anar a buscar les veritats humanes, per dir-ho així, és on ell se sent més còmode treballant amb les seves novel·les i amb els seus, també amb els seus assajos. I alguns dels seus últims assajos van més enllà de la literatura i reflexionen sobre la identitat. No tant la identitat personal, sinó també la identitat col·lectiva. I segur que és un tema que li interessa perquè, per exemple, també publica llibres amb un altre nom, amb un pseudònim, no? Vous pouvez dire avec, com Gabriel, no? Gabriel Smond, oui. Sí. És a dir, que l'esquizofrènia no només és dels editors, sinó que deu ser també part indissociable dels escriptors, no? En aquests últims assajos reflexiona molt sobre la identitat francesa. I, curiosament, i això és una impressió meva com a no francès, la seva reflexió sobre la identitat francesa incorpora algunes de les angoixes de la França contemporània. És a dir, sembla que hi ha una mena d'inquietud per la pèrdua d'allò que abans s'havia considerat que era la identitat francesa. Vous partagez peut-être une certaine inquiétude en ce qui concerne le futur de l'identité française, à mon avis. C'est une impression en tant que lecteur oui. Étranger. Je pense que les questions commencent à se poser, les questions d'identité commencent à se poser quand l'identité faiblit. La forte identité ne se pose pas de questions. Est-ce qu'en Catalogne, vous posez des questions sur votre identité. Qui suis-je? Est-ce que ça arrive? Non. Ça fait trois siècles. Oui. Depuis trois siècles. Mais en même temps, c'est une identité combative. C'est-à-dire, vous êtes dans une phase active. Oui, nous sommes catalans. Oui. Et donc, on n'a rien à craindre pour cette identité-là. L'identité française est différente. Imaginez donc un immense empire français, colonial, oui, qui était du Vietnam jusqu'au Canada. Il y avait quelques îlots dans le Pacifique, la moitié de l'Afrique. Et tout à coup, ça se ratatine et ça devient cet hexagone. Mais en quelques années. Donc le choc était terrible. Plus la défaite. Terrible, terrible. La défaite sous le sabot, sous la botte nazie. Plus les massacres des populations civiles. On parle d'Oradour, mais il faudrait parler aussi de tous ces trains envoyés à Auschwitz. Donc, vous voyez, ça, c'était des blessures tellement fortes pour l'esprit français que les Français commencent à se poser des questions. Pas seulement les Français, les Belges aussi.
Nous avons parlé tout à l'heure de Bruxelles en disant, écoutez, si vous allez de la Grand Place jusqu'à la gare centrale, vous voyez surtout l'Orient. Et ce n'est pas du tout péjoratif ce que je dis, pourquoi les peuples se sont toujours mélangés. Mais là, vous voyez les cafés turcs ou les cafés arabes, oui, vous voyez une vie tout à fait différente. En pleine, c'est la capitale de l'Europe. C'est ainsi la vie est faite. La vie s'est faite ainsi. On ne peut pas dire c'est mauvais, c'est bon, c'est... on le verra dans 100 ans. Mais ce mélange se fait. Et le problème, c'est que ce mélange se fait difficilement aujourd'hui. La France était traversée, balayée par des vagues d'émigration. Il y avait des Polonais, il y avait les Italiens, bien sûr, il y avait les Polonais, il y avait les Arméniens, les Juifs, les Russes. Et ces gens venaient avec un désir féroce de s'intégrer, de trouver un travail. Un général russe venait après la Révolution, ou un colonel, il n'y a pas de travail pour vous, mon général, qu'est-ce que je veux faire? Ah ben je vais conduire un taxi. Un général conduit un taxi. Ou pire encore, pourquoi pas, il conduit une petite camionnette pour apporter des choses, pour les vendre, des marchandises au marché. C'est quand même un sacré coup pour l'honneur d'un grand officier, etc. Pourquoi pas? Les gens essaient de s'intégrer et essaient d'apprendre cette culture. Les Français, à l'époque, avaient une vision très simple. Ils ont dit aux Russes, parce que les Russes sont arrivés assez massivement, c'est des centaines de milliers de personnes après la Révolution. Ils ont dit, écoutez, nous sommes un pays exsangue après la guerre, la Grande Guerre. Vous essayez de vous tenir tranquille, pas de politique. On vous donne le sol, on vous donne un ciel où il n'y a pas de bombardiers, où c'est la paix. Donc essayez d'être digne, d'être responsable et intégrez-vous. Je pense que pour les immigrés d'aujourd'hui, ce langage ne serait pas de trop. Ce serait peut-être un bon langage. Écoutez, on vous ouvre la porte, mais essayez de vous intégrer. Si vous voulez poursuivre dans votre enfermement culturel, cultuel, religieux, etc., il y a d'autres pays où cette religion, la vôtre, est pratiquée tout le temps. Pourquoi ne pas partir? Le monde est ouvert. On parle de la mondialisation aujourd'hui. Vous prenez votre valise, vous allez ailleurs, ou peut-être vous serez mieux reçu. Est-ce un langage nationaliste? Je ne crois pas. C'est un langage internationaliste. L'internationalisme, c'est accepter l'existence de nations différentes. Je ne viendrai pas en Catalogne en disant « Non, vous devez faire autrement, parce qu'en Russie, ça se fait autrement. » Non. En venant en Catalogne, j'essaie de regarder, d'entendre la langue et de m'intégrer. C'est une attitude très digne et à la limite pragmatique. Et donc, je pense que c'est un peu le langage qu'il faut changer. Au lieu de ces grands prêches, multiculturalisme, vivre ensemble, etc., tout ça, c'est des mensonges idéologiques. Il faut dire tout simplement, écoutez, la Terre est petite, nous sommes nombreux, essayons de rester frères, tout simplement fraternels. Bé, potser després hi haurà qui voldrà debatre sobre aquestes qüestions, però... Precisament la identitat francesa i més específicament la cultura francesa i la literatura francesa sempre s'ha nodrit d'aquesta incorporació que crec que és insòlita perquè no passa en les altres cultures d'autors que venen d'altres països i d'altres llengües. Els casos coneguts de Ionesco i Cioran que surten de Romania i acaben escrivint en francès i que en trobaríem a cabeçades i el mateix Makin que ve de Rússia i acaba escrivint en francès. No? Potser una especificitat francesa era aquesta capacitat d'atraure, d'integrar escriptors d'altres llengües i de convidar-los gairebé, portar-los de manera gairebé natural, semblaria, a adoptar la seva pròpia llengua. I encara avui crec que una bona part de la literatura francesa més interessant ve precisament escrita i els debats que genera ve per escriptors que no són estrictament francesos, per dir-ho així, sinó que s'han anat integrant i adaptant. No? I em sembla que aquesta és la cultura francesa tal com l'hem admirat sempre des de Catalunya o des de la nostra perspectiva. No? Potser la... Una identitat oberta. Peut-être
la littérature française la plus intéressante est précisément celle qui est faite par des écrivains qui sont venus d'autres pays et qui ont incorporé la langue. Oui, oui, ça c'est un peu radical, comme bon. Je pense que c'est un peu radical parce c'est que généralisé. Voilà, et puis c'est une généralisation, oui. Il y a des bons écrivains natifs, il y a des bons écrivains qui viennent d'ailleurs. À un moment, en France, on a souvent parlé de la francophonie, oui. Et dès que vous étiez francophone, c'est-à-dire que vous veniez des colonies, d'anciennes colonies françaises, vous étiez un génie. Ce n'est pas automatique, hélas. Ce n'est pas automatique. Et je disais toujours, écoutez, demain viendra à Paris un jeune garçon qui est né à Montélimar, oui, dans une ville assez quand même de la France profonde, oui, qui est né à Montélimar, il viendra à Paris et il deviendra un génie de littérature. Pourquoi ? Parce qu'il a visité partout dans le monde. Mais non, il n'a vu que Montélimar, parce qu'il a un œil. Pushkin disait à un ami écrivain, vous voyez ce cendrier, voulez-vous que je fasse demain un récit ? Ça, c'est l'œil de l'écrivain. Un cendrier, c'est banalissime, c'est même ridicule. Mais Tchekhov, grand inventeur de sujets, d'intrigues, il pensait, oui, un cendrier, hier peut-être, il y avait un couple d'amoureux, ils devaient se séparer, et l'homme fumait, écrasé. Et la nouvelle est partie. La nouvelle est partie. Donc, il ne s'agit pas des origines. On peut venir du fin fond de l'Afrique et ne pas savoir écrire, tout simplement, en parlant un très bon français. Parce que sinon, tous les Français écriraient comme Balzac. Non, tous les Français n'écrivent pas comme Balzac. Oui. Hi ha aquesta expressió americana, no? que ell s'hi referia críticament o negativament, però aquesta expressió que combina dues paraules que s'assemblen molt, no? Soil and soul, terra i ànima. No? Potser hem parlat massa de soil i ara m'agradaria parlar una mica també de l'ànima. No? Nous avons peut-être parlé beaucoup des origines, des racines. Oui, et oui. Qu'est-ce qui se passe avec l'âme pour un écrivain comme vous? Vaste question. Vous avez deux jours, pendant deux jours, on pourrait parler de l'âme russe. Oui, c'est ce grand cliché, l'âme russe. Oui. Oui. Mais est-ce que les deux ne sont pas liés? La géographie, on dit souvent, les politiciens disent, et c'est tout à fait juste, chaque pays fait la politique de sa géographie. C'est un résumé, mais c'est assez juste. Chaque homme a l'âme quand même de son sol aussi. Il est attaché par ses racines. Je ne crois pas aux âmes d'écrivains ou aux écrivains hors sol. Vous voyez, il est suspendu quelque part, comme Georges Simenon dans son cube de verre. Mais même dans ce cube de verre, serait quand même Georges Simenon, un Belge. Vous voyez, il serait quand même imprégné par ces choses-là. Donc, sauver son âme. Oui, on emploie souvent cette expression passe-partout. Mais c'est que l'homme sent en lui quelque chose d'indestructible. Vous voyez, pour Proust, que vous connaissez si bien et sur lequel vous avez écrit, vous voyez, cette petite chose ridicule, la madeleine, c'est un petit gâteau, il est devenu l'expression majeure de ce qui est sauvé en nous. Nous sommes périssables, n'est-ce pas? Tout périt à nous. En quelques années, nous devenons un tas de poussière. Et puis il dit non. Je mange cette madeleine et tout à coup, je me dis, mais cette mémoire se réveille en lui de façon imprévue. Il dit, mais cela, il le dit dans le temps retrouvé, n'est-ce pas? Il le dit, à ce moment-là, j'étais éternel. À ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, une dimension, un organe presque. Presque un organe physique qui me dit, mais non, tout va mourir en toi. Tes yeux, tes cheveux, ta peau, tout va tomber en poussière. Mais il y a quelque chose d'indestructible. Et je pense que le vrai poète cherche cela. Comment sauver ce quelque chose qui échappe au temps en nous. Nous ne sommes pas des êtres à 100% temporels. Il y a quelque chose en nous de temporel. Ce qui nous trompe, c'est les rythmes. On revient vers les rythmes. Les rythmes sociaux sont tellement lancés que nous sommes complètement aliénés. Nous sommes dépossédés. Nous regardons la montre, nous courons. Et ce petit quelque chose en nous nous dit, mais non, écoutez, il y a en vous un autre rythme. Il suffit de sortir tout à l'heure
sur cette place devant la bibliothèque, de regarder le ciel. Personne ne le fait d'habitude. Et si vous le faisiez une fois, vous regardez le ciel, comme tout à l'heure, c'est ce matin, je regardais, je ne savais pas qu'on voyait les Pyrénées. Puis je suis monté derrière cette belle forteresse que vous avez, splendide. Et je me dis, mais quel instant. Vous avez déjà le printemps. À Paris, ce n'est pas encore le printemps. Il y avait quelque chose de si doux, de si merveilleux. Et je me dis, voilà, cette parcelle, c'est aussi moi. Il y a une heure, je ne savais pas que ça existait, cette sensibilité existait en moi. Quelque chose de, qui n'était pas moi et qui est devenu moi. Et quelque chose qui me paraît éternel. Bé, anem acabant ja. A mi m'agradaria preguntar-li a l'Andrei sobre el seu últim llibre, que es va publicar el 2016, i que és una mena de retorn a Rússia, votre dernier livre, je crois, L'archipel d'une autre vie, que és quina mena de sensacions li han portat aquest retorn a Rússia, tenint en compte que ell tindrà sempre aquest peu aquí i aquest peu allà, i això potser li dona un privilegi d'observació que no tenia abans. No? C'est peut-être un privilège celui que vous avez maintenant quand vous revenez en Russie. Oui. Et vous regardez les choses après avoir oui, passé par... Grand spécialiste de Proust, vous devez savoir que la mémoire, quelle est la condition de cette madeleine, de ce phénomène étrange où tout à coup vous sentez éternel. Proust le disait très bien, c'est involontaire. Si vous allez spécialement dans une boulangerie, vous achetez la madeleine, vous pouvez manger un kilo, rien ne se passe. Mais c'est quelque chose... Et d'ailleurs, quel était le premier nom de la madeleine de ce... Vous savez comment elle voulait appeler Madeleine? C'est affreux. J'ose à peine vous le dire. Je vais détruire quelque chose dans votre amour pour Proust. Il voulait appeler ça la biscotte. La biscotte. Madeleine, c'est tellement beau, c'est tellement poétique. Et tout à coup, ça devient une biscotte. Mais au bon moment, elle se dit non, 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 non. Quand même, il avait le sens poétique, n'est-ce pas? Vous imaginez un roman qui s'appelle La biscotte, madame. Effrayant, effrayant. L'éditeur ne l'aurait jamais publié. Tant que la Madeleine, oui, ça peut se négocier, n'est-ce pas? C'est à dire que no hi anava a buscar res en concret. Vous n'êtes pas retourné en Russie en allant chercher quelque chose. La Russie a beaucoup changé. La Russie a tellement changé maintenant. Moscou, c'est devenu... Enfin, c'est New York et Chicago ensemble. Quoi. Et le rythme, là, c'est infernal. J'ai connu encore le Moscou un peu provincial. Vous voyez, il y avait des quartiers presque comme ici. Vous pouviez aller dans des petites ruelles, vous perdre dans des ruelles, comme je me suis perdu tout à l'heure. Vous voyez. Il y avait encore cela. Maintenant, malheureusement, on a construit ces énormes buildings, etc. Ça s'américanise aussi. Mm-hmm. Mais quand je vais en Russie, je vais souvent en Sibérie. La Sibérie, c'est la taïga, donc ça, c'est quelque chose d'immuable, quelque chose d'éternel, justement. Mm-hmm. Mm-hmm. Molt bé. No sé si podem obrir una tanda de paraules. No sé exactament com ho... Ah, hi ha un micròfon? Doncs us convidem a aprofitar que tenim aquí l'Andrei Makin per preguntar-li sobre tantes altres coses que no hem tractat ara a aquesta hora. No? Si algú en té ganes i vol trencar el gel, doncs... Il y a une timidez, premier. Les Français disent la première question est difficile, commençons par la deuxième. Oui. C'est une astuce astucieuse, justement. Oui. Voilà, la deuxième question arrive. Bonjour. Vous avez parlé de la crise de l'identité française, que en aquest moment est importante. Un imperi colonial que després va desaparèixer com l'imperi britànic, etc. I que a continuació ha fet referència a la derrota de França davant dels nazis amb les massacres i els assassinats. Vostè no creu que... Jo li pregunto perquè a mi em sembla que l'actitud de França en aquest període va ser ambivalent,
que la resistència francesa era un moviment molt important, però que era minoritari, i que el govern de Vichy va tenir molta importància i que molts francesos hi estaven d'acord. Oui, c'est une question très intéressante, très très intéressante, mais il y a dans chaque pays des thèmes qu'on ne peut pas aborder sans se faire lyncher. Oui. Et en France, c'est malheureusement c'est cette époque-là. Vous trouvez, vous savez, dans les familles, ça a commencé avec l'affaire Dreyfus. Et il y a une célèbre caricature. Il y a une famille très bourgeoise la famille qui est assise à table, donc il y a toutes les personnes. Et le père dit, et surtout, n'en parlons pas, parce que l'affaire Dreyfus, il ne faut pas en parler. Il y avait des Dreyfusards et anti-Dreyfusards, les antisémites et les gens qui disaient, mais il faut sauver ce pauvre officier. Et puis, l'autre caricature, ils en ont parlé. Ils ont quand même parlé, et donc on voit tous les gens qui se battent. Et Vichy, c'est la même chose. Vous trouverez des gens qui vous diront, madame, oui, mais Pétain a protégé la France. Protéger la France en ce sens que, pendant des années, la guerre n'a plus touché toute la France, tous les territoires. Vous oubliez un peu, là, ceux qui accusent la France, ils oublient un peu la puissance de l'armée nazie. 41, en juin, 22 juin, les nazis entrent en Russie. Ils s'arrêtent à Moscou. Si vous mettez sur le territoire russe qui a été envahi par les nazis, c'est 4 fois la France. Donc, les nazis avaient la force et les Russes se battaient. Ce n'était pas les résistants, c'était une armée qui se sacrifiait par des milliers. Les Allemands étaient déjà presque à Moscou. Il y avait encore à la frontière une ville, Brest-Litovsk, qui se battait. À quelques kilomètres, ils se battaient à la grenade, à la baïonnette. Ils mouraient, mais ils se battaient. Et dans l'un de mes romans, Le Requiem pour l'Est, il y a cette scène mais qui m'a été racontée pour vous dire quelle force terrible représentaient ces deux armées russes et les nazis. Le dernier résistant de cette armée russe, de cette armée soviétique, il est blessé, il est plein de sang. On le tire de la forteresse, on le met parce qu'il ne peut pas marcher, on le met comme ça, et l'officier allemand lui dit à son soldat « apportez de l'eau ». Donc il l'éveille parce que le russe était à moitié mort. Et quand l'officier allemand, nazi, commence à lui parler, c'est un SS, le russe crache sur lui. Et les autres soldats pensent, c'est clair, il va l'abattre. L'officier allemand met ses gens au garde à vous et il leur dit « Vous devez vous battre comme ce russe ». Donc la violence était terrible. C'est pour ça qu'accuser la France, c'est facile, c'est vrai. Oui. Les Français se sont battus, mais ils étaient battus, ils ont perdu. Ça, il faut le reconnaître, l'armée française s'est battue. Maintenant, imaginons, toute la France commence à résister. Ça aurait donné Stalingrad, ça aurait donné la terre morte, la terre brûlée, ce que les Allemands ont fait quand on leur résistait. Donc, voyez-vous, maintenant, nous sommes tranquillement assis dans cette bibliothèque, il nous facile de parler de ces choses-là. Mais essayez de vous mettre dans la peau d'une maman française qui a 3 enfants qu'il faut nourrir. Le père est prisonnier par les Allemands. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Laisser les enfants et dire « je vais résister ». Mais sa résistance, c'est de nourrir les enfants. C'est déjà très difficile de les faire vivre. Mais je comprends très bien que là, l'époque est clivée, l'époque est déchirée. Et je pense qu'il n'y aura jamais d'accord là-dessus. Que Pétain avait le choix ? Est-ce qu'il avait le choix ? De démissionner. C'était un vieillard. Il pouvait démissionner. Rester dans sa maison tranquillement, un maréchal de France, on ne l'aurait pas envoyé à Auschwitz, non. Il serait resté tranquillement chez lui à regarder. Il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il a fait tout ce qu'il a fait était bon ? Pas du tout, mais pas du tout. Mais le problème, c'est que l'histoire, on ne peut pas rejouer. On ne peut pas rejouer l'histoire, vous voyez ? Et on ne sait pas du tout ce que ça aurait donné.
Est-ce que Franco était un ange? Mais pas du tout, mais pas du tout. Mais est-ce que, s'il avait lancé l'Espagne dans la guerre, qu'est-ce que ça aurait été pour vous? Après la guerre civile, peut-être que ça serait une dévastation totale. Vous n'oubliez pas Dresde, rasée par les Américains. Les Américains sont tranquilles, ils bombardent toujours du très haut, ils ne vont pas sur le terrain. Donc, peut-être Madrid n'existerait plus, Barcelone n'existerait plus. Ça aurait aussi possible. Donc, moi, je comprends votre émotion et je la partage. L'époque est terrible et la plaie, la blessure des Français est toujours là. Mais je pense qu'il faut se peser le pour et le contre, toujours, toujours. Merci. Moi, donc, ça profite je pour... Non, si? Hola, bona nit. A propòsit del que estava dient ella i que has parlat sobre la crisi d'identitat que tenen els francesos, volia preguntar-te quina crisi d'identitat tindria el teu país, Rússia, si després de tot el que la història, arrel del comunisme, se'ls va dir tot allò que estava prohibit, que era el capitalisme tan negatiu que era per ells i sempre se'ls va dir que tot allò era nefast, ara en aquests moments és la seva religió, no? Quina crisi pot tenir el poble, no? I tota la persecució que va tenir la religió i que ara, doncs, he vist les esglésies, he vist el poder que té l'església ortodoxa en aquell país, això pel poble rus és una esquizofrènia, és una contradicció molt grossa, no? Perquè si t'han estat dient durant tota l'època del comunisme, t'han estat dient el poder capitalista és nefast és... i te n'estan menjant el coco i te n'estan prohibint com se'ls va prohibir la propietat privada, ara què passa? J'ai compris, c'est très intéressant. Il y a plusieurs niveaux dans cette question. Un jour, j'ai rencontré le philosophe russe Alexandre Zinoviev, qui habitait à Paris encore, enfin à Hambourg, et puis il venait à Paris de temps en temps. Et il m'a dit quelque chose de très intéressant. Il est mort depuis, il est revenu en Russie, il est mort. Il m'a dit quelque chose de très important. Il m'a dit, mais vous savez, Gorbatchev, c'est très intéressant, mais c'est à peu près comme si le pape sortait un jour sur la place Saint-Pierre et disait, écoutez, l'Église s'est trompée, Dieu n'existe pas. Et je me dis, c'est quand même un peu fort. Et puis je me dis, mais c'est à peu près ça. Tout à coup... Nous, moi j'étais un jeune, enfin, j'étais pas communiste, j'étais un jeune Komsomol, c'était la jeunesse communiste. Oui. Tout le monde était, c'était pas extraordinaire. Mais je ne croyais peut-être pas au communisme, je croyais à la fraternité humaine. Je me dis, il y a eu tant de guerres dans ce monde, peut-être est venu le moment où l'autre n'est pas considéré comme un ennemi, ou comme un rival, comme un adversaire. Il peut être, et le communisme c'était ça, être en commun. Ne pas penser tout le temps à l'argent qu'on va gagner, à essayer d'écarter l'autre pour être le premier. Vous voyez, même dans les classes de l'école soviétique, les plus forts aidaient les faibles. Il y avait cette entraide. Moi, j'étais dans un orphelinat. C'était un peu spécial. Mais dans notre cantine, on mangeait dans notre cantine, il y avait un calicot où était écrit, avant de commencer de manger, regarde si dans l'assiette de ton voisin, il y a quelque chose. Donc, il y avait des habitudes, mais même au niveau très banal, très enfantin, il y avait ces habitudes-là. Et tout à coup, ces habitudes ont été balayées, mais en quelques années. Les anciens, les générations anciennes, c'était trop dur, beaucoup très dur, parce qu'il fallait changer sa tête, vous voyez, arracher sa tête et mettre une autre tête. Grosso modo, c'est ça. Maintenant, la Russie arrive à une sorte d'équilibre. Et moi, je préfère tout à la guerre. Même un mauvais équilibre, il y a un proverbe russe qui dit « Une mauvaise paix, c'est mieux qu'une bonne querelle. » Et moi, je le crois, qu'une bonne guerre. Donc, on arrive à un certain équilibre. Nous avons parlé de l'Empire français qui a eu son empire colonial, tout à coup, qui a vu son empire colonial éclater. Imaginez, la même chose en Russie. 15 républiques qui se sont allées
ailleurs, oui, qui se sont détachés de la Russie. Mais il n'y a pas eu de guerre, il y a juste la Tchétchénie. Une expérience horrible, horrible, très douloureuse, avec beaucoup de morts. Mais il ne faut pas oublier que derrière, c'était déjà les bons conseillers américains et turcs qui étaient là, comme après dans toutes les révolutions de couleur ou les printemps arabes, n'est-ce pas? Libérer la Libye, c'est bien, mais faut-il bombarder toute la Libye pour la libérer? La question se pose. Libérer l'Irak, c'est parfait. Introduire plus de démocratie en Irak, c'est parfait. Mais faire le faire par les bombes, je ne crois pas. Je ne crois pas. Sí, endavant. El micròfon. Sí, bona tarda. Canviant una mica de tema, seria una... Sí, parlo en català, ja m'entendrà. És que si parles en francès potser no m'entendria. A veure, hi ha un escriptor català, un filòsof, que deia que pensem i sentim en la mesura en què ens ho permet la nostra llengua. Pensem i sentim en la mesura en què ens ho permet la nostra llengua. Llavors, voldria dir que, en certa manera, o vindria a dir que l'ànima no seria pas el territori, seria la llengua, almenys potser especialment per l'escriptor. Vostè ha parlat també una cosa, una reflexió, a mi em sembla, o una observació molt curiosa, molt interessant, que quan un canvia de llengua, que li canvia la cara, que li canvia l'actitud, en certa manera també la personalitat. Vostè no podria ser, per exemple, que aquestes fugides a una altra llengua, és a dir, el canvi de llengua d'un autor, d'una persona, clar, el seu cas segurament també és diferent per la seva formació ja en la seva infantesa a través de la padrina, no? Que li parlava en francès. Per tant, ja hi ha una referència, diríem, infantil amb la seva llengua. Dic això per la importància que té en l'escriptor sempre aquesta època, la infantesa. Però no podria ser molts altres autors, i penso ara, per exemple, potser un dels últims que ha adoptat el francès, com pot ser el Kundera, el Milan Kundera, o potser amb molts altres procedents també de les colònies, vull dir d'Algèria, com si fos pujar-se al carro del vencedor. És a dir, si escriu en francès, doncs se li obren moltes més portes, potser també com un sentit que vostè ha citat també alliberador, doncs de no sé, parlar també en un determinat moment a França, també després de la Revolució, parlar català, per exemple, era considerat com ser monàrquic, és a dir, com ser reaccionari. És a dir, el francès, de la mateixa manera també que va ser Espanya en un determinat moment, el liberalisme, és a dir, el liberalisme exigia oui. L'espanyol. Vull dir, en aquest sentit, i acabo, com en certa manera canviar de llengua suposa també canviar de personalitat. És a dir, que al meu entendre potser es canvia més canviant de llengua que canviant de territori. En aquest sentit ho dic. I no ho dic en plan pejoratiu, sinó perquè un es pot sentir realment alliberat amb una altra llengua que no és la teva. Però al meu entendre, escriure en una altra llengua, parlar en una altra llengua, és ser un altre o tenir uns esquemes mentals diferents. Oui, j'ai compris, mais dans votre question, il y a déjà la réponse. C'est ça qui est terrible. Vous avez fait presque un cours magistral sur les deux langues et sur l'identité linguistique. Donc, pour revenir au choix entre le russe et le français, je ne sais pas quel est le tirage basique, le premier tirage des livres en Catalogne. Madame, vos livres, ils sont tirés à combien d'exemplaires quand vous publiez un roman? 10 000 ? Pardon, 2 000. En France, si l'auteur est connu, ça serait peut-être 10 000, 15 000, 30 000. 30 000, c'est déjà énorme.
Quand vous allez en Russie, vous retournez le livre enfin, du temps de ma jeunesse, vous regardiez un petit tirage, 50 000 exemplaires. 50 000 exemplaires. Donc, vous voyez, quand vous dites « Ah, la France, c'est l'ouverture », la langue russe, elle est quand même beaucoup plus parlée. Et surtout que la littérature a un autre statut. A un autre statut en Russie, vous voyez. Un russe, un poète, quelqu'un qui parle, qui s'exprime, c'est déjà une voix qui vous vient, parce que c'est pas son corps qui compte, c'est pas sa présence physique. Ce qu'il entend, il entend une musique, il entend une voix, il interprète quelque chose qui le dépasse. C'est ça la conception russe d'un écrivain. C'est pour ça que la parole d'un écrivain est tellement importante. Enfin, ça nous change plus encore si on va en Chine. Mon éditeur chinois m'a dit, écoutez, on va commencer par 1,5 million d'exemplaires, 1,5 million, c'est la gloire en France, c'est la gloire, il n'y a pas d'écrivain. Et ça, c'est le premier tirage. Donc, vous voyez, si j'étais vraiment calculateur et pragmatique, je serais allé en Chine plutôt et j'aurais appris le mandarin. Oui, je ne l'ai pas fait. Oui. Je ne suis pas assez pratique. Je suis allé en France avec 10 000 exemplaires, on ne va pas loin. Voilà. Maintenant, les changements d'identité, vous avez très bien formulé, je n'ai rien à ajouter. C'est vrai que la seule chose, peut-être, là, ça serait un bémol, vous citez un écrivain catalan qui a dit on dit ce que la langue nous permet de dire. Mais vous, monsieur, vous êtes quelqu'un d'actif. Vous pouvez changer la langue. Avant, monsieur Proust, la petite Madeleine n'existait pas. Il existait juste pour la bouche, pour les enfants. Ah, bien, un petit Madeleine. Il a fait un concept universel. Il a changé le sens de la petite Madeleine. Essayez de dire maintenant, en France, ah, j'ai mangé la petite Madeleine. Ah, la petite Madeleine de Proust. Ça vient tout de suite. Il a changé notre vision. Il a changé notre regard. Vous voyez, on dit que quand on a joué Mozart, même le silence qui suit, c'est encore du Mozart. C'est très juste, vous voyez, ça paraît, comment est-ce possible? Mais si, c'est un si grand compositeur que même après, on est imprégné. Vous voyez, le silence n'a plus la même qualité. Donc, inventez, changez la langue, soyez actifs. Non. Dic que no és contradictori. En primer lloc, perquè sobretot, i si ens movem en el camp de la narrativa, és també la més universal, la narrativa. És a dir, en certa manera, qualsevol bona novel·la escrita en rus o escrita en francès o escrita en català, innovadora, passa a formar part de la història de la novel·la europea. Tant si està escrita en una llengua com... És a dir, potser amb la poesia no es podria dir, és més difícil de traduir. Però avui, per exemple, hi pot haver, i en aquest sentit doncs és evident, un gran escriptor català que no hagi llegit obres, novel·les en català, perquè tota la novel·lística europea, diríem, forma part de la història de la novel·la i innova en aquest sentit. Ara, el que he dit de Proust... també potser amb una altra llengua també s'hauria vist d'una altra manera la Magdalena aquesta. Potser hauria aparegut doncs, oui, una altra fruita. Moi, je vous coupe la parole. Je m'accroche à ça, si vous permettez. Est-ce que dans une autre langue, et on va finir avec cette belle question, est-ce que dans une autre langue, on aurait vu une Madeleine? Ben, on l'a vu en Russie avec l'écrivain Bounine, qui était un... Proust russe. Vous ne trouverez pas la petite Madeleine, mais vous trouvez des choses qui y ressemblent beaucoup. Donc, bien sûr, la petite Madeleine, c'est proustien, c'est stylisé, c'est français, mais le concept, il peut voyager, et d'ailleurs, Proust lui-même, grand seigneur, il disait, attendez, je n'ai rien inventé, regardez les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, le chant du merle. Tout à coup, il est en Angleterre, il entend, il dit, mais c'est comme dans mon enfance. Donc, les choses matérielles appartiennent à une langue, à un pays, à une culture, mais derrière ces choses matérielles, il faut voir le concept. Je vous remercie pour toutes vos questions. Je pense qu'on a dépassé tout le temps qui nous a été imparti, mais on n'a pas d'autre rythme, n'est-ce pas? C'est un rythme poétique. Merci. Muchas gracias. Beaucoup.